Bonjour tout le monde, ici Jake pour Rivason Studio. J'espère que tous les réglages sont bons, j'espère que vous allez bien. Hop là, c'est à peu près bon. Cet après-midi, on commence l'aventure Bowser Fury qui est comprise dans Super Mario 3D World, dernier du nom. Un jeu Mario 3D donc, une aventure quand même assez complète apparemment. J'espère qu'on m'entend bien. Là, je rapproche un peu le micro parce que moi j'ai mon retour qui est loin. Voilà, on est bon. Bowser Fury donc, bon, on va pas le présenter, c'est du Mario. Hein. C'est du Mario avec une spécificité. Donc Bamos à l'aventure, comme on dit. Bon, j'espère que vous allez bien quand même. Hein. Vous passez un bon début d'après-midi. Que vous soyez en cours ou au travail. De toute façon, vous n'êtes pas censé regarder le stream dans ces moments-là. Si vous êtes chez vous tranquille ou pépouze, dans ce cas, vous êtes vraiment les bienvenus. Faites-vous plaisir. Ça va pas être du skill hein, aujourd'hui. Ça va être du fail, des échecs, des sauts ratés. Et des chargements beaucoup trop longs apparemment. Salut Imra. Ah bah ça nous rappelle du Mario Sunshine ça. Dans la couverture du fauteuil. Voilà. D'accord. On peut le laisser comme ça, hein. Allez. Alors regardez aux alentours. Ça y est, c'est fait. Bon, il pleut apparemment hein, chez Mario. On a l'air d'être dans le Nord-Pas-de-Calais. On embrasse les nordistes, bien sûr. Pas l'air d'avoir grande cause ici. On a un gros dino. Il y a Crodilla qui est passé par là. Panneau là-bas. Mais les sapins sont des animaux. D'accord, les sapins ont des oreilles. Si tu veux. Écoute, fais-toi plaisir. Chacun se définit comme il. Chacun, chacune se définit comme il ou elle a envie. Ah non, ça se casse pas. Ça. Ouais, franchement, ouais, l'effet depuis sur l'écran, c'est assez sympa. Alors, je préfère que ce soit sur l'écran que sur moi. Ok, d'accord, il y a l'orage. Oh non, mon dieu! Depuis quand Bowser, il s'est fait une teinture? Bowser est un punk. Clairement, c'est Bowser. Une pièce de la lave. Il y a un truc qui brille là-haut. Oh oh oh, c'est quoi ça? Pourquoi ils deviennent rouges? Ah d'accord. Si c'est rouge, c'est que ça va péter. Prenons cette chose. Un astre félin. Ah d'accord, après les lunes, les étoiles et les soleils, on a des astres maintenant. On est dans la thématique, hein, bon, c'est félin. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Lol. Humour, drôle, rigolade. Attends, il a une barre de vie, Bowser. Vous avez, je sais pas si vous avez fait gaffe, vous avez un petit truc barre de vie. Merci Ralga pour ton nouveau mois d'abonnement. C'est quand que Ivalice réouvre? Alors, j'ai une très bonne réponse pour ça. Si tu veux savoir quand Ivalice réouvre, tu fais point d'exclamation Ivalice dans le chat.
et t'auras la réponse. Pour de vrai. Eh oui, c'était le piège, Ralga, tu es tombé dedans. Ah 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 ah, nous sommes diaboliques. C'est beau. Bon, c'est très pollué, c'est la... Il y a un peu trop de pétroliers qui ont échoué, hein. Ça me fait penser à l'Erika, c'était... Attends, c'était quand l'Erika? C'était en 97, 99, quelque chose comme ça. Et là, ceux qui sont plus jeunes ne comprennent pas de quoi on parle. C'est un pétrolier qui s'est échoué sur les plages atlantiques de la France notamment, avec une belle mer noire, pour ne pas dire une belle mer de noir. Hein. 99, Erika. Ah, j'étais pas loin. On peut pas grimper sur cette chose-là ? Non. Et les cailloux. Le jeu est sympa, j'aimerais que la caméra soit un peu plus rapide à réagir par contre. Je la trouve un peu lente. YOLO! On va pas aller dedans, je pense qu'on va prendre des dégâts. Bah, de toute manière, il y a des panneaux chat qui nous interdisent. Oh mon dieu! Vous les avez pas vus. Bon, je vous les montrerai si on les recroise. Ah, tiens. Bowser Junior. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Magnifique! Ah, j'achète ça à faire conclu, 3 euros. Ah, mais si c'est du noir, 4 euros. Ça fait un peu peur, c'est en sanglant. Bowser Jr. a l'air d'avoir un problème. Mario, mon... Attends, non, il lui faut une voix. On va lui faire une petite voix. Mario, mon pauvre papounet est tellement incontrôlable. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Je suis pas sûr de garder la voix jusqu'au bout du jeu. J'ai essayé de l'aider, mais il est devenu trop grand et totalement fou. Tout seul, je vais pas pouvoir faire... Je vais pas pouvoir faire retrouver un papounet, Bowser. Son état normal. C'est la même image. Jamais... Voilà. J'aurais jamais... Jamais imaginé devoir un jour te demander ton aide. Mais je ferai n'importe quoi pour sauver mon papounet, Bowser. Alors, s'il te plaît, Mario, aide-moi. On dirait un mauvais mélange de Fred, c'est pas sorcier d'un vieux. T'es affreux. Le souci, c'est que contrairement à 3D World, il faut s'occuper de la caméra en plus de bouger le perso. Ouais. Vous avez décidé de faire équipe avec Bowser Jr. Dans quelle mesure voulez-vous qu'il vous aide? Ah mon dieu, un acouphène, pardon. Ah, c'est vrai. Ah! Bon. On va dire que... Ouais. Il va nous aider comment? Juste un peu. On sait jamais, il peut être utile. Ah, c'est désagréable. Bon, on va faire avec. Je vais remettre l'écouteur du coup. Ça m'isolera un peu. Vous avez dit à Bowser Jr. que vous voulez un peu d'aide. Si vous voulez changer ce paramètre, option menu plus. Il faut aussi que vous sachiez autre chose. Bowser Jr. est une femme? Ah non. Si vous partagez les manettes Joy-Con avec une autre personne, celle-ci peut contrôler Bowser Jr. Il suffit de sélectionner jouer en duo dans le menu plus. C'est du jeu en local, bien sûr, pas en ligne. Ça, c'est dommage. On peut interagir avec toi? Genre, tu vas dans le pétrole. On peut pas jouer à chat pour t'attraper. Les petits buissons, ce sont des chats! Miaou. Ah, bah, il y a des pièces. Un peu beaucoup passionnément à la Bowser Story. Ouais, je ferais bien un jeu de mots, mais on va éviter. Les pièces. Les pièces, ce ne sont pas des pièces. Chat! Mon dieu, il y a des Goombas! Des Goombas, chat! Ah, ça commence bien. Tu peux pas me donner un champignon? Non. Et regarde, quand je m'approche, il s'éloigne. Voilà, ça c'est respecter les gestes barrières. Les 1m, 1m50 de distance. Voilà, pardon, excusez-moi. Ah tiens, encore un Goomba chat. Il y a une carte, oula. Rivage Misty Gris, allumage de... J'ai pas eu le temps de voir. Le retour. Lumière du phare, ok merci. Il y a des mouettes chats.
Alors juste, j'aimerais vraiment... Ah mais si, la carte, elle est là. Vous êtes ici, giga cloche. D'où il me traite de giga cloche, le jeu, là-haut, je te permets pas, hein. Non mais... C'est quoi, ce jeu, là? On est sur un jeu Mario, bienveillance et tout, un petit jeu familial. Il me traite de giga cloche. Non mais... Pas possible, ça. Oh. Bon, alors, la carte, c'est ce gros carré noir. On est là. Ah, bah, en fait, la carte est grande. Et ça, je suppose que c'est l'entrée de Bowser. Je comprends pas comment on peut mourir sur le premier Goomba d'un Mario 35, se prend le premier Goomba d'un Bowser Fury. je reconnais avoir dit cette phrase. Je reconnais l'avoir dit. Et voilà, ça trash talk de suite. Oh mon dieu, des Magikarp. Ah, c'est pas le même jeu. Est-ce qu'ils sont chats? Oui. Regardez. Ce sont des... Comment ils appellent ces poissons? Je sais plus. Mais il a tué le poisson. Eh oh, pas vegan ça. Alors, on va lancer une boucle temporelle. On va recommencer le stream. Des tip-tip, merci. Des poissons chats! Ça, je me souviens, c'est dangereux. Bah, vas-y, fais-toi plaisir. Tiens, attaque. Attaque. Bowser, attaque. Bowser Junior, attaque. Bon, il va. Bah. Il attend, il faut que je sois de l'eau tourné pour qu'il attaque. Oh, il est timide. Je suis Mario Chat. Bonsoir Nostralix. Enfin, vu l'heure, bonjour, bonsoir, ça dépend du fuseau horaire. Donc, pour imiter mon cher ami Yakipon, bonjour. Même s'il n'y a que droit, celui qui a le droit de le dire. Non, grimpe. Voilà. Je veux aller là-haut. Si la grille, elle est si grande, c'est qu'il y a un truc. Voilà, j'en étais sûr. C'est quoi? Ah, c'est en bas. En bas au centre de l'écran. 1, 2, 3, 4, 5. 5 petits machins chats. Bonsoir, c'est à partir de 19h. Mais non, les pièces, ce sont pas des pièces chats. Regarde, c'est des pièces normales. C'est nul. C'est Miaounion. Oh, il est poétique. Je vous dis, ça il me reste, c'est un gentleman. Hein. Bon, sauf sur Dark Souls, mais c'est autre chose. Encore une fois, la grille est grande, mon dieu. Ah bah tiens. Non, je l'ai raté. J'ai encore fait les griffes sur le canapé, mais dans tous les jeux Mario, regardez. Griffes sur le canapé, attention. Voilà. Mario, il a mal été éduqué. Bip. Pourquoi il repleut? Attendez, parce que du coup... Ah, la musique change aussi, d'accord. Oh mon dieu, il y a des chats! Et ils ont une tête bizarre. Pourquoi il vient vers moi, lui, oh? C'est gentil, hein, mais je sais pas. Bon, d'accord, c'est un petit chat, il est trop mignon. Regardez, il se caresse. Ah bonjour. T'es sorti ta Pokéball, c'est ça? J'aime le micro. Ouais, je suis désolé. Mais ils sont devenus pas contents. Mais d'où? C'était des alliés, c'est... Mon... Ok, attendez, caméra. Il y a eu un rayon laser, mais je sais pas d'où il est parti, en fait. Je peux pas aller, là? Ok, non, c'était une mauvaise idée, très mauvaise idée. J'ai perdu, ça y est, je commence. Mario, mais sérieux, allez, sur le mur. Voilà. Et là, tu viens ici.
Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon, laser. J'arrive pas à comprendre d'où ça part. Oui, champignon, merci. Merci. Et il s'en... Oh, je vois un astrophe là. Il s'en va comme ça. Il refait beau. Donc Bowser fait la météo, quoi. Oh, il y a des pattes de chat. Ah, il me faut... mince. Il me faut retrouver une clochette de chat. Bon, vous êtes re-mignon, vous? Mais vous veniez me faire des câlins il y a 2 secondes. Toi là. Il va y avoir une histoire de... Comme dans le pingouin dans 64. Une histoire de maman chat ou une connerie comme ça. Je pense. On peut le lancer. Ah oui. Pardon. Ne faites pas ça chez vous. Surtout pas. Là il y a un passage. Ah bah tiens. Bowser est devenu fan de Tokyo Hotel. Évolue en Togepi. Ouais, c'est exactement ça. Par contre, du coup, j'ai perdu ma clochette. Regardez la mouette. Est-ce que je peux zoomer? Comment on fait? Non, c'est pas comme ça. 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 Ah, voilà. Et là, je veux zoomer. Comment on fait? Regardez-moi cette mouette. Bon, là, du coup, avec le reflet, on dirait qu'elle est démoniaque, mais c'est une mouette chat. Elle est magnifique. Magnifique. Oh non. Sayo! Ok, c'est passé. Mais j'ai quand même besoin d'une clochette. Oh là là. Comment je vais faire ça? Ah, il peut pas s'agripper du tout, on est pas... Ah. On va essayer de passer par en haut. Ah, il y a l'astre félin là-bas, je le vois qui brille. Celui-là, il va être bien sympa à attraper. Ah oui, chat, viens là. On retourne en arrière. C'est très glauque, monsieur ou madame l'émeu. C'était très glauque ce que vous faisiez là. Oh là là. Une certaine Nino s'extasie devant des chats. Tu m'étonnes. C'est clairement un jeu pour Nino, ça. Pâte de chat. Ok. Il y a un point d'interrogation là. Attends, ici je suis en chat. Ah d'accord, tout à l'heure j'étais en chat donc ils sont venus vers moi. Quand je suis pas en chat, ils fuient. D'accord. Eh ben on sait ce qu'il nous reste à faire, hein. Mettre un kigurumi de chat, aller dans la rue et attraper le chat. R. Non, j'ai dit R. R, 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 R. Vas-y, R, vas-y, Bowser Junior, vas-y. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, c'était un champion. Utilise Bowser Junior, ouais. Bon, ça va, ça passe. Et là, par contre, on va rigolade. Grimpe. Oui, moins easy ça par contre, bon ça va, je vais te rattraper. Alors, wow. Mais arrêtez de faire ça hein. D'accord, Bowser Junior qui annonce ça. Astre félin, on va attendre un petit peu avant de le prendre, il va y avoir quelque chose là-haut je pense. Ah non. C'était le piège. Bon c'est pas grave. Astre félin. Allumage de la lumière du phare. D'accord. Et maintenant, alors là il faut 5 astres félins pour débloquer ça. Bon j'en ai 2. D'ailleurs en parlant de ça, est-ce qu'on a dans le menu quelque chose qui nous dit notre avancée, un peu comme dans Mario 3D World du coup? Non.
D'accord. D'accord, d'accord. Je reviens un peu en arrière. On était sur les petits astrophènes, enfin les fragments d'astrophènes, je sais pas comment on peut appeler ça. Et il en fallait 5. Il y a une plage en bas. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chaos. Ça c'était le point de départ. Ouais. Là il y avait un truc. Là il y a des petites îles. Il y a une grille en bas là. On y va. Et j'ai encore besoin du flash. Mais j'ai sauté sur Bowser quoi. Voilà. Encore un chat. Il va y en avoir 56 millions, je pense. Si vous êtes propriétaire de chats, pensez à bien vous en occuper et à les faire stériliser. C'est pas très naturel, je sais bien. Mais ça évite la prolifération. Oh, j'ai une belle pochette, une prolifération de chats. Hop là. Et donc, plein de mauvaises choses. On a beau adorer les chats, bah, mine de rien, si on n'en prend pas soin, ils peuvent tomber malades et tout ça. Sur ça. Oui. Tourne, 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 tourne. Oui. Oh yes. Ah bah c'était le cinquième justement. Et le cinquième nous donne 5 l'astrophélin, donc parfait. Le retour de Bowser. Ah non, là ça va dans le phare. La manette vibre. Je suis en prison. Au secours, sortez-moi de là. Ah, j'ai raté. Ah ouais. Ah mais par contre quand Bowser arrive c'est la vie. On va aller là-bas. Là on voit des fragments. Mais il est grand en fait. Il est méga grand. Ils ont pas des voyoucha. Mais Oh non, c'est quand on saute, ça change de côté. Oh là là, ah ouais. Et si je suis de loin? Ok. Génial. Les Goombas ont disparu. Là, il y a un truc. Si j'ai besoin d'un chat. Il me manque un fragment, la dernière chat qu'on a trouvé. Le Mario chat a donc passé plus de temps en prison que ça. J'avoue. Mais il a... Mais il part d'où son rayon laser, là? Il y a un truc. Ah yes. On va. Par contre, les flashs de pas en, la météo comme ça, là, c'est assez violent. Là, il va y avoir une course. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Ah bah tiens. Je suis un petit chat, je me balade. Et on va aller par là-haut. Ah bah, des voyous chats. Non, pas la fleur de... Ah, quoique, on peut modifier. Et d'un. Bah elle tombe. Bon on va l'envoyer là-bas. Ah il peut pas. On peut pas marteler comme on veut par contre. C'est quelques boules, un petit temps de recharge. Allez, et d'un, de deux plutôt même. On va éviter de sauter. Si je saute, ça. J'ai peur de me piéger moi-même. Oui, tombe. Allez, c'est parti. Ok. Ok.
Drink, drink. Merci Q13 et 3 pour le follow. Drôle de pseudo. Astrophélin. Le Mario laser part de vos heures. C'est logique à mon avis. Et là, il y a un petit truc. Est-ce que je peux l'avoir? Mais il est où? Ah, il est là. 1, 2, 3. Non, je me suis piégé. Voilà. Allez, nullité. Je veux récupérer le... Ah, c'est comme ça ici. D'accord, c'est pas tout à fait comme dans l'autre jeu. Mais ça sert à quoi? Bah, alors lui, il est gratuit. Alors lui, hop là. Lui, il a pareil. Il en manque un. Mais pourquoi est-ce qu'on nous parle de vitesse ici? C'est quoi ce bordel? Alors celui-là, on l'aura pas de suite, hein, je vous dis. Est-ce que le dernier fragment... C'est quoi ça? Ça, c'est la cloche pour après. Enfin, ça ressemble à une cloche du moins. Une grosse clochette même. Je vais récupérer le... ça. Si. Ah, je viens de voir dans les items qu'on a une feuille de tonique. Je m'en étais pas rendu compte. Ah, dans le phare. On pourra aller dans le... Enfin, dans le phare, dans ce truc. Giga cloche, ouais. Ah bah tiens. Astrophélin. Il y a une île au fond. Ok. Quand la bête Bowser se réveillera, je m'éveillerai aussi. Parce qu'il y a un autre ennemi en plus que Bowser. Un gros ennemi. Un grand ennemi. Alors je disais quoi? J'ai vu quelque chose. Là-bas. Il y a une île suspendue tout au fond là-bas. D'accord. Et est-ce qu'on peut aller là-dedans? Ce phare voudrait apporter son éclairage sur un sujet. Oh, oh, quel jeu de mots! Cette matière noire et visqueuse disparaît quand elle est exposée aux rayons lumineux des astres félins. Mais certains astres félins préfèrent ne pas se montrer au grand jour. Oh non! Si vous avez du mal à en trouver, allez donc tenter votre chance sur une autre île. Les îles avec un phare cachent souvent quelque chose. Grimpez sur le point d'observation élevé et ouvrez l'œil pour tenter d'en repérer en proximité. Boomerang! C'est comme ça qu'on va l'avoir, celui-là là-bas au boomerang, c'est ça? Attendez. Attendez, je réfléchis. Là, il y a tout ce qui est le plateforme bleu en face. Un bon parcours de plateforme. Le phare là-haut. Oui, je sais, j'ai vu. Le phare là-haut est assombri. Et il y a un astre juste en bas. Donc en gros, si j'arrive à sauter et à pas me rater, je peux peut-être attraper l'astre là. Mais pourquoi on me donne le boomerang ici? Reste en haut pour comprendre ce que fait Bowser. Le Bowser, il a l'air d'être possédé par, par le diable. Ah ben le retour de... Wow! C'est une boule disco. C'est l'heure d'aller à la messe. Il est très très grand quand même. Normalement je suis protégé là. Je suis protégé. Bowser Jr. non. Et moi aussi. Donc il fait une pluie. Il tire de ses pics.
et de sa gueule. Pour l'instant, il a pas l'air de bouger, il a l'air de m'avoir en focus. Oui, je pense avoir compris qu'il faut la grande cloche, hein, mais j'essaie de comprendre d'abord ce qu'il faut. Chaque phare te donne un power-up aléatoire. Ah! D'accord. Bon, allez, vamos. On va y arriver. Tanuki! Mais... Attendez, j'ai... Pourquoi la cloche, elle s'est... C'est juste parce que j'ai changé de zone? Bah non. Non, non, il s'est juste barré en fait. Et là-bas, ça fait blou 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 du jacuzzi de pétrole, quoi. Bon, perso, j'irai pas un peu dans un jacuzzi de pétrole. Dans un bain de boue, pourquoi pas. À tester. Mais alors, un jacuzzi de pétrole. Non, merci. Ah, il est quand même plus bas, lui. Pardon. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de cette notification d'alerte. Merci, Ralga, qui a offert à moi d'abonnement de niveau 1 à Nostraix. C'est très gentil. Faut vraiment que je m'habitue à cette alerte. Elle me fait flipper à chaque fois. C'est pour l'Iron Man. C'est pour l'Iron Man. L'Iron Man de mardi soir sur Scribble.io qui était magnifique. Meilleur moment de la soirée, l'Iron Man. Vous l'aurez le retrouver très bientôt sur la VOD sur YouTube Ivasound, comme on vient de dire, radio et IRL. Et il est déjà posté dans l'auberge du Discord. Rejoignez le Discord. On y poste plein de choses en plus de bons plans de jeux vidéo. Il te saute ma tour. Il y a beaucoup de mèmes. Il y a des jeux, etc. Charge dans les airs, charge au sol. C'est juste que là, on est sur du Mario. Ah, il y a un truc. Ah, mais attendez. Ça, je peux pas le péter avec le chat. Mais eux aussi sont. En gros, tout le monde est en chat sauf Bowser Jr. quoi. Allez les Russes. Hop là. Mais il s'est pas barré en fait, il est là. Jack a peur d'un klaxon. Je te zut. Je te zut. Ah génial. Et aussi, mais et, sérieusement, si tout le monde a des oreilles d'animal sur la tête, je vais chercher mon bonnet loup, moi. C'est pas chat, mais... contre-pistache. Je sais déjà qui va répondre à ça, donc contre-pistache. Donc tu me diras, j'ai 4 mètres à faire. Voilà, il y a... Non, c'est un bout de ruine. Et là, il y a un gros trampoline juste derrière. Encore? Mais il va venir toutes les 3 minutes, Bowser? Sérieusement, c'est les giboulées de Mars? Enfin, je veux bien, on est en Mars, mais quand même... Quand même. Le changement d'image m'a dérangé. Et là, de nouveau, la grande cloche est là. Est-ce que j'ai le temps d'aller chercher cette chose? Elle est où déjà? Elle est là-bas, go. Cours, petit Mario, cours! Giga cloche des sables. Cloche, allez! Alors c'est plus miaou, c'est miaou. Chargement.
Sérieusement, chargement. Ah. Godzilla versus King Kong, le retour. Vas-y Simba. Bon, il faut faire quoi? Le martel Bowser. Ah ben lui aussi il a un martel. Est-ce qu'il faut faire comme dans 64 et l'attraper par la queue? Non. Oh mon dieu, il y a ça en plus. D'accord, là il y a de la vie. Non, mais je suis dans le pétrole. Ah, quand je suis grand, le pétrole ne me fait rien. D'accord. T'es où? Bowser? Bowser, t'es où? Ah mais t'es à la pétale ou ok. J'arrive. Ok, encore un coup peut-être. Pourquoi la cloche elle... Voilà, je reviens chat. Bowser. Allez, petit coup là. La Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Et on a battu Bowser, ça y est, c'est la fin du jeu. Ou pas. Ah, ou pas. Et donc? Oh mon dieu, c'est un arc-en-ciel chat! Magnifique. Je veux le même. Oh, il est trop bien le pixel art de Bowser. Nouvelle zone. D'accord. Donc en gros, battre Bowser une fois de temps en autre, ça nous permet d'agrandir la carte. Un char arc-en-ciel. Pas ou pas, c'est lui le marsupilami. Ah, mais j'aime beaucoup le marsupilami. Oh! Denver, trop bien. Bowser Jr. semble vouloir dire quelque chose. Il a une quête. Il a un point d'exclamation, il a une quête. On va éviter de faire sa voix, ça fait mal à la gorge. Il a replongé dans le lac. C'est pas un lac, c'est... Bon, bref. Mais crois-moi, Mario, il en faudra plus que ça, car pour battre mon papounet Bowser, on doit absolument lui faire retrouver ses esprits. Et pour ça, il faut retrouver d'autres races félins. Miaou. Une autre partie de cette matière visqueuse a disparu. Alors il doit y avoir de nouvelles îles à explorer. Mario, jette un œil sur la carte, mettons-nous en route. Ah ouais. Ah oui, en fait, la carte, elle est peut-être pas si grande que ça. Je m'attendais à avoir vraiment plus d'îles éparpillées. Mais non, en fait, c'est tu prends un passage, t'as un bout machin, et voilà. Donc, d'accord. J'ai failli oublier de mentionner un truc important. Si tu te perds en explorant toutes ces îles, il te suffit d'appuyer sur moins ou droit... sera droit pour ouvrir la carte. Bon bah en même temps ça c'est écrit partout. Sauvegarde. Cool. Bon, on va pas aller là de suite. Par contre j'aimerais bien avoir d'où il y a un raz de marée qui arrive là. J'aimerais bien avoir il y a une maman chat qui pleure. J'aimerais bien avoir une avancée comme dans la plupart des Mario. Là je ne sais pas. Première île, entre guillemets, premier monde, je sais pas combien d'astres il faut, je sais pas où est-ce que j'en suis. Et j'aimerais bien le savoir, en fait. Donc, sauvegarde. Sauvegarder. Donc, c'est ça là. Oui, j'avais juste testé une fois pour reprendre en main le jeu. Ouais, voilà, j'ai rien d'autre. Hein. J'ai pas d'autres infos. Donc, bon. Et là, de nouveau, la grande cloche est toute noire. D'accord. Nous étions là-bas et on se dirigeait vers le bleu. Et quoi, tu veux faire un baseball? Sérieusement, si oh petit chat, si y a bah tiens, viens là, on va faire ça de suite. S'il y a un truc à faire avec cette dame, là, il s'éclate. Bonjour madame. New! Ah bah, gratuit. Parfait.
Moins, et eh oui, je sais. Pourquoi tu veux une avancée? C'est un monde ouvert. Bah, histoire de savoir combien on en est, quoi. Enfin, je sais pas, comme dans la plupart des Mario. Allumage de la lumière du bar. On retourne ici. Bah. T'étais pas de l'autre côté, toi? Oh, attendez. Il y a du sable, il y a peut-être un truc sur le côté. Non. Mais. Ah, mais les fleurs, c'est des pattes de chat! Voilà, c'était tout. Ah, bah tiens. D'accord, très bien. Est-ce que je peux grimper encore plus en haut? J'ai l'impression que oui quand même. Un peu, non. Bon, on va faire le tour. En connaissant, pas joué. Ok. Ça par contre... de pièces. Énigme difficile. Tu veux le nombre total d'as? Ouais, je veux bien Imagiro. Ah bah tiens, le retour des Russes. Non, non, c'est mal. Vas-y Bowser, après toi plus. Il y avait une fresque là. Une fresque prophétique. Ok, allez, bon. Est-ce qu'il faut grimper là? Phare, clochette, grand sphinx, sapin chat, colline chat, petit chat. C'est quoi ça? L'avant-dernier, je sais pas trop. Et grand chat. Voilà. Énigme résolue. Lol. Il y a 100 astres. 100 astres dans tout le jeu? Mais il y a un truc là. Oh non, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. Alors, on va prendre chat. Hop là. On va prendre chat. On va prendre ça. On monte sur la droite. La gauche même, plutôt. Voilà. Il nous en manque 3. On peut aller directement là-bas. Oui. Merci Bowser Junior, mais ouais, écoute, ouais, voilà. Mais grimpe, grimpe. Non. Oh. En vrai, il n'y a même pas besoin de se servir du trampoline. À part sur la fin, peut-être. Et il y a un truc ici. Hop. Là, il y a un astre félin là. Doucement, Mario, s'il te plaît, doucement, ne fais pas peur. Là, il y a plein de chats. Est-ce qu'il faut tous les ramener à la maman? C'est intéressant ça. Mais vu tous les chats qu'il y a, je veux dire, bonus, tout le poil, mon chat, ça. Ça va être énervant. Non, c'était le tanuki qu'il me fallait. C'était pas prévu ça, tiens.
Oui. En fait, pour peindre un Bowser, faut bouser le gyroscope. Faut pas marteler la touche. Ah! D'accord. Ah oui, c'est vrai que je pouvais faire ça. Quoi? On va prendre le Tanuki. Non! Ah mais non, on pouvait prendre le boomerang. Nullité. Non, c'est pas ça. Et là tout le monde pense à la chanson comme un boomerang de... Alors à qui l'a chanté en premier pour moi? Je crois qu'il a essayé plus de 15 ans. Comme un boomerang. Avec une Dao la reprise forcément. Allez. Alors, boomerang. Voilà. Tout bêtement. Est-ce qu'on ramène... Attendez, la maman chat, elle était où? Elle est en bas là. Est-ce que... Ah mince. Redeviens un chat. Allez. Non mais va pas là-bas toi. Ok. Miu 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 miu. Est-ce que si je fais ça? Ok, il est en bas. Voilà. Va là-bas. J'insiste, ne faites vraiment pas ça chez vous. Ça c'est le mauvais exemple. Il est où? Il est là. Tac. 1, 2, 3, 4. Allez, go. Mais non, il y a déjà le retour de Bowser. Bonjour, maman chat. Est-ce que tu es intéressé par ce chat? Non? Sérieux? Elle s'en fout? Retour de Bowser. Ça sert à rien. Ah, d'accord. Comme un boomerang, c'est la suite de la chanson comme un avion sans air. Une vraie chanson comme, une... comme un avion sans air. Si c'est le cas, je ne la connais pas. Je suis désolé. Ils sont pas de la même couleur. Ah, mais elle aussi, elle est en... Vite. Je suppose que j'ai pas assez de... Ouais, bah là, à part patienter... Les traces. Une clochette gratuite. Prends. On revient là. Vous aussi, faites appuyer le bouton avec Bowser et compagnie. Mais plus, toujours plus de bonus en fait. Raté. Oh non, je... Ça c'est un poil. Hein. Et là il s'en casse. Allez, on passe. On va pas regarder ça à chaque fois. Oui. Ah, les Russes. Hop là. Pour moi, je sais pas pourquoi. Ils ont l'air russes. Ils ont demandé. Il y a un truc là. Ah oui. Un astre félin. Ouais.
Comme au moment chanté initialement par Danny. Ah oui, Danny. Écrit et composé par... Ok. Ah ben on va pouvoir récupérer celui-là. Il y a un truc en bas. Il y a quoi en bas? D'accord, je pense avoir compris. Il n'y a rien. Ce phare a une brillante suggestion à vous faire. Vous devriez essayer de ramasser un maximum de pièces. À chaque fois que vous en collectez 100, vous donnez un objet de transformation. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 exemplaires. Ah, vous pouvez avoir jusqu'à 5 exemplaires de chacun de ces objets en réserve. Cela vous sera certainement utile dans votre aventure. Ramassez des pièces pour empocher quelques objets de transformation supplémentaires. Fleur. Eh bien, par contre, là, ces trois-là... Ah si, c'est... Oh, je t'ai vu, toi. C'est sauter sur le tremplin rouge et faire le piqué Y avec le chat. En espérant que ça ne nous donne pas un astrophé, là. Enfin, un fragment. Là. Ah mince. Il y a un gros cube là-haut, là. Enfin, il y a un cube là-haut. On va partir de là. Bonjour, Jacques. Bonjour, Diez. Comment il va, Diez? Hop là. Comment faire pour aller là-haut? Forcément, t'as la quête principale et t'as moi. Bon, on va refaire le tour. Je pense que l'idée des trois anneaux, ça nous donne le dernier fragment de la sacrée. Je pense, je suis pas sûr. Île de Sotmatou. Yo. Ah, eux, ils ont disparu, ça va. Tac. Hop. Yes. Un peu encore. Et bon, on y va. Diez, il va, il va. Et puis, je pas du tout. C'est toujours plaisir de te voir passer. Pas là souvent, mais te voir passer, ça nous apporte un peu de soleil dans la vie. Sans déconner. Alors là, faut pas se planter. Sauter, foncer, sauter, Y. Ah, j'ai raté. Ah, j'ai raté. Je pense que c'est ça. Je vois pas si c'est que des pièces. Là-haut, quand même, c'est piégeux. Si c'est que des pièces, c'est piégeux. Bon, on va attraper cette chose en bas. On reviendra ici après. Ah, raté. Astrophélin, grimpette jusqu'à l'astrophélin. C'est que des pièces. D'accord, merci Magiro. Donc en gros ça sert à rien que je continue la... Oh bah tiens. Tiens. Salut toi. Incliner la manette. Pour déplacer le curseur tactile. Viens là. Un tuyau. Ah d'accord, ben go. Ah c'est des pièces. D'accord. Gratuité. Le fragment, tu l'avais en visuel devant toi, mais tu es resté bloqué sur le cube en l'air. Ah bon? Je l'avais en visuel devant moi. Oh, je le vois. C'est bon, je le vois. Allez.
Voilà. Et il y a encore un fragment. Oh, une étoile. Un astre complet. Mais il détient des pièces. Il était pas déjà ouvert ce phare là? Là c'est fini normalement, non? Là où on est allé. Je pense. Carte. On est là. Ah, il y a des checks là. Ah, d'accord. Ascension par bon. Chrono. Ouf, ouf. Allumage. Et là, il y a un truc que je connais pas. Ok. Et là, il y a un truc que je connais pas non plus. Mais juste derrière moi, ascension par bon. Oh, attendez. Il aurait fallu une boussole en fait. Mais il y a des panneaux là maintenant. Il dépasse là tout à l'heure. Salut, ça va tout le monde? Salut Fred de BS9999. En fait, un phare possède plusieurs couches de couleurs. Chacune des couleurs est un astre. Ah, d'accord. Par contre, ça. Oh non, il y a Bowser qui revient. Oh. Ah, d'accord. Allez, go. 20 secondes! Allez, non, je l'ai pas. Oui, peut-être. Ça, c'est fait. Ah oui, en effet, oui, d'accord. Il y a les astres qui se mettent sur les hublots du phare, comme les trous d'une flûte. D'accord. Ok, j'ai compris. Alors, Bowser, par contre, t'es gentil. Donc là, il m'en manquait deux. Hop là, on s'abrite. Et on attend. Je pense que c'est... Il disparaît pas par rapport à nos actions, il disparaît voilà, au bout d'une minute, 30 secondes. Est-ce qu'il a envie? Voilà, est-ce que ces apparitions sont totalement random? Ça aussi c'est intéressant. Ah, il y a l'eau qui prend du mouvement aussi, ça c'est chouette si on pense. Donc c'est pas autant pour faire un ramarin. Mais... Château des Châtières. On y était là. Et là il y a un P maintenant. Un brick. Il disparaît, ça y est. Du coup j'ai perdu Bowser de vue moi. Et ça disparaît. Si tu veux passer la phase de Bowser, il faut récupérer un as pendant sa phase de furie. Waouh. 3 rayons pour disparaître. D'accord, ok. Ça c'est bon à savoir. Maintenant ce petit P il sert à quoi? Oh merde. Ouais, mais... L'horreur. Allez. Ne pas sauter. Ne pas sauter.
sauter. Ça va, c'est pas très... C'est compliqué ça. On va re-regarder la carte. Je fais plein d'items. Je crois que là il n'y en a pas besoin. Moins de la carte. Donc là, il y a encore un truc derrière. Et je suis où? Je suis là, d'accord. Là, il y a un nouveau truc. Ah, ils apparaissent. Ouais, d'accord. En gros, ouais, ils apparaissent pas forcément tous de suite. Donc on va aller là. On va faire ça, on revient sur les trucs bleus, je pense. Et ensuite on revient au début. Et les bleus, c'est... Allez, je suis perdu. Là-bas. Je peux courir sur l'eau. Je suis un chevalier de la mort, bien sûr. Clé pour l'astre fait là un cage. Oh d'accord, ok. D'accord, ok. Les bilbales sont des chats, bien sûr. Regardez. Voilà. Oh, ils sont magnifiques. Ah, eux, ils sont magnifiques. Allez, mince. Donc, il va falloir péter ça avec les bilbales. Mais les bilbales... Ou alors, il faut que je sois un canon. Est-ce qu'il y a l'item canon ici? Il va falloir dire au Bilbal, viens me voir copain. Encore, viens. Ici, là. Viens là, il est où? Il m'a pas suivi? Mince. C'est moi où il y a une Stargate au milieu. Pas un moulin. La porte chat? Oui, en effet, oui, ça peut faire penser ça. En effet, non. Derrière. Est-ce qu'il y a pas quelque chose? Il y a un truc là-haut là. Il y a un truc là-haut, on y va tout de suite. Wow! Il m'a fait peur lui. Oh, se calme. Et la clé, ça. Ah oui, la clé. Ben on va y aller. Hein. Mais il y a quand même. Non! Si on va dans l'eau, il n'y a plus la clé. Ah! Mince! On ne peut pas faire Fort Boyard. C'est le début du niveau. Les canons ne bougent pas sur la hauteur. D'accord. Est-ce que la clé est revenue? Passer par là. Attention Mario. J'ai lancé la clé.
Mais j'ai lancé la clé, mais quel nul. Oh. Vous imaginez Fort Boyard, un passe-partout dans Fort Boyard, s'il lançait les clés. C'est galère, hein. Bon, on me dirait la Père Fouras à l'époque, il lançait les clés à travers la vie et les candidats devaient aller récupérer les clés dans l'océan. Allez, le retour de Bowser. On va passer par là où je pense. Ouais, on va faire ça. Oh, il m'a fait peur lui. Non. Ah, bah écoute, c'est gentil, merci. Allez, ça c'est gratuit. Lancez de clé ou lancez le nain de fourbrière. Oh non, il y a peu de temps. Pas de chat, c'est méchant comme... vous êtes les premiers à le dire. On revient là-haut, tout là-haut. Histoire de... Ah, intéressant. Oh mon dieu, de la lumière. Non, je suis un vampire. Ça, c'est fait. Mais est-ce que je... Attendez, on revient sur la carte, encore une fois, toujours. Ah, on peut plus. Est-ce qu'ici, il y a un truc là? Bon, c'est pas grave. J'avais dit qu'on devait aller au village. Derrière, on va y aller. Tac, tac, tac. Il y a qui qu'on utilise beaucoup. Chef. Ombre de fureur sur le rivage. Bah on dirait Luigi. Lol. Vous avez un item gratuit. Il est en train de se foutre de nous ou bien? Touché. On va la voir comme ça. L'avoir comme ça. Voilà. Oh mon dieu, elle est trop mignonne. Elles sont trop mignonnes. Ah, je veux la même. Non, ne la tue pas, elle est trop chou. Bon, il est pas sous là. Ah, il est là-haut. Pardon le chat, pardon, excuse-moi. Voilà. C'est pas très compliqué. Les couilles, ça va comme il a trop entendu. Est-ce que je peux rajouter à la liste des termes à bannir? Ouais, j'ai compris. Bah écoute, propose-le, ça ne me dérange pas. Eh ben écoutez, votez, éliminez le maillon faible. Comme dirait Laurence Boccolini à l'époque. Non, en vrai, si Tché vous pose problème, banco. Hein. Après, en tant que modérateur et modératrice, sans vouloir dire de bêtises, il me semble que certains mots de la... issus de la blacklist, vous pouvez quand même les utiliser. Si je veux pas dire trop de bêtises. Attends, je teste. J'écris Tché pour voir. Ouais, donc normalement on peut. On va éviter. Je propose qu'à contrario tu rajoutes dièse comme un mot à idolâtrer. Alors, objectivement, mais subjectivement, c'est toi qui nous a fait le logo il y a quelques années maintenant, dièse, logo qu'on a toujours qui est trop bien. Donc techniquement on doit t'idolâtrer.
Surtout que... Alors, Diaz, je te le dis juste à toi. Attendez, j'appuie sur pause. Excusez-moi, j'ai pas envie que Bowser vienne m'embêter. Alors, je vous le dis là. Bon, on a dépassé les... Je vais regarder même là, tiens. On a dépassé les 100 followers sur la chaîne Twitch. Chose, vraiment, c'est super, merci beaucoup. Donc, on a dit qu'on ferait un stream surprise dans pas très longtemps. Dans quelques jours, quelques semaines, vous allez voir. Histoire de se coordonner au niveau planning. C'est surtout les plannings qu'il faut coordonner. On va faire un stream spécifique. Et ça sera autour du logo Ivasound et de Paint. Diaz, si tu veux être présent juste pour voir le carnage que ça va faire. Alors, on va pas refaire le logo. Le logo, on le garde. C'est notre logo. On l'aime. On va pas modifier ça. Mais on va faire quelque chose autour de ça. Et je pense que ça peut être très drôle. Voilà. Agenouillez-vous devant ma grandeur. Oh. Attention, Diaz. Des fois, quand on se met à genoux, il peut se passer des choses. Bon, bref, j'en étais où, moi, dans mon aventure? On peut revenir là-haut. Ah, si, j'ai une question d'ordre intéressante sur Mario. Pour Image Hero, est-ce que toute cette zone-là... Attendez, il faut être plus décalage. Toute cette zone-là, ça correspond, entre guillemets, à un monde. Ou alors, c'est genre ça, c'est un monde. Pardon, ça, c'est un monde. Et ça, c'est un monde. D'accord, ok. Donc, pour l'instant, je fais bien de rester ici. Donc, Château des Châtières, Saute-Matou. Bah, on va retourner là-bas. Attendez, je suis où? Là-bas. Eh, les plantes piranales sont magnifiques. Hein. Mais... La nature, quoi. Eh, non, vraiment, elles sont vraiment magnifiques. Oh, il va falloir faire un truc avec ça. Mais d'où il a... Mais c'est qui me troll en fait. Eh, hey, je suis là pour t'aider. Hein. C'est toi qui m'as convoqué et tout. Alors attendez, je me méfie de cette chose, je me suis fait tuer dessus. Alors tout droit, encore et à droite. Excusez-moi, j'aime pas faire ça. Et à droite, là-bas. On a dit qu'on allait là-bas. Sortie de scène des Kamek chats. Les Kamek sont des chats. Oh, maintenant, vous imaginez... C'est quoi, c'est l'ambition? Vous imaginez une chorégraphie... De Kamel Wally en chat. Ou de Kamek Wally encore. Hop là. En comédie musicale. Là, ils sont magnifiques les Kamek. Diaz, je reviens, je vais jouer à Jeff Eternity. Tu fais ce que tu veux, Diaz. Sortie de scène de Kamecha, c'est fait. Non mais, enfin, pour parler très vite fait d'Edge, apparemment, Edge, on peut dire que c'est le jeu de l'année, mais de la décennie même, vu le temps qu'il a pris. Pour se faire, mais apparemment Edge se porte plutôt très bien. Alors ici, on va passer la porte. Voilà. Démolition des blocs de fureur. Ah, ben c'est ce que je cherchais tout à l'heure, je crois. Donc là, c'est peut-être maintenant qu'on va pouvoir s'amuser avec cette chose là-bas. Il me titille ça. Mais comment on les pète? Non, c'est pas assez haut. Autour de Bowser. Je vais plutôt aller à Zulaman. La porte. Ah bah oui, le pourcentage manquant de Zulaman. Lol. On en parlait, c'était quand il n'y a pas si longtemps que ça, c'était à Hydraken. On s'est amusé à refaire ce genre d'instance.
Et on a loot l'ours du premier coup. Attends, sous la main, c'est la bruit, c'est la main. Oh, il y a un gros. Vas-y, ouais, je le prends. Une étoile? Ah, mais ça va pas m'aider. J'en ai pas besoin. Ce que je veux, c'est devenir un canon. Pourquoi il y a ça spécifiquement là? Il y a eu beaucoup de choses de se faire tout à l'heure. Salut. Là maintenant il y a un truc doré ici. Oui, des pièces. Comment s'appelle le niveau? Démolition des blocs de fureur. Bah il faut démolir les blocs. Attends. C'est ça un bloc de fureur? J'ai vu trop tard. On va descendre. Ah bah y'a un truc là. Ouais, mais ça j'ai compris. Non, j'ai pas compris. Qui est furieux? Bah Bowser. Attends, je réfléchis. Comment s'appelle le niveau? Niveau à but, t'es bien. Le niveau s'appelle démolition des blocs de fureur. Qui est furieux? Bowser. Démolition des blocs de Bowser. Bowser, c'est les blocs. Bah oui, c'est ça. Ça j'ai bien compris. Ça j'ai bien compris qu'il fallait péter ça. Mais comment avoir... Comment les péter? Parce... Ah attends. Je pense pas que ça fonctionne. Non, c'est pas ça. Il faut que attendre que Bowser revienne. Il lance son rayon laser là-dessus. Pour moi, ce qui me gêne, c'est ces billes-balles. J'ai l'impression qu'il faut amener un billes-balles sur les blocs ou que je devienne un canon billes-balles. Pas la bonne hauteur, mais de très peu. Pas la bonne hauteur, de très très peu. J'ai raté un détail. Il y a un détail qui m'échappe. Il y a ça ici, là. Et ça, à part nous aider à aller un peu plus rapidement. Ah si, attendez, lui, il sert à... Il faut que je le conserve, comme les boîtes. Ah, je crois que mon téléphone a vibré. En effet, mon téléphone a vibré. Ok. Ah. Ça pour ça? Non, mais c'était ça, te casse pas la tête. Ah, donc faut attendre que Bowser revienne et le rayon laser. Bon, ben dans ce cas, on va faire autre chose. Tant que Bowser n'est pas là, on va aller. Démolition des blocs de fureur. Démolition des blocs de fureur. Ah. Ben on va revenir en arrière. Et en arrière, c'est là-bas. Ouais.
Ah bah c'est une clé avec une cage apparemment. Ouais, même ces plantes piranhas là sont chouettes. Hein. Franchement, je suis méga fan des plantes. Des plantes chats et non pas des plantes chats. Je me rends compte de ce que j'ai dit. Oh mais même elle est trop chou. Alors une clé. Elle est là-bas. Hop hop, doucement, se calme. Et la cage, elle est ici. Est-ce qu'on peut tomber ici sans trop de risque? Ça a l'air. Ça a l'air. Et bien voilà. Là, je regarde qui m'a connaissé. Okay. Vous avez rassemblé 15 astres félins à la giga cloche. Un message est maintenant. Ah mon dieu, c'est la giga cloche qui me met. Qui me donne un message. Ben, on va y aller. Elle est pas très loin. Elle est là-bas. Allez, énième. Deuxième en vrai combat contre Bozo. Mais est-ce que en étant giga cloche je peux péter les choses dont j'ai besoin? Eh giga cloche, je peux pas me parler? Alors j'étais pas tout à fait là. Hein. Voilà. C'est parti. Oh. Chargement sur 20. C'est dommage parce que là, techniquement, il ne devrait pas y avoir de chargement. Je comprends pas trop pourquoi ils le font ça. Ah gros gros. Et on passe. Ah, il a changé de pattern. Pas courir. C'est pas mes items. Là-bas, pour Mario. Il va se mettre dessus, juste pour me... la cloche. Ah, il m'expulse. Cours. Allez. Ah d'accord, en fait, le pétrole me ralentit. Ah, flûte. Ok, et d'un. Est-ce que je peux de nouveau avoir la cloche? Non. Non. Est-ce que je peux te taper non plus? Voilà. D'accord, ok, j'ai compris. Allez, je vais crever. Est-ce que je peux aller là-dedans? Je tente, hein. Ok. Et maintenant, je suis tout petit, ça m'est... Là-bas, une cloche. Je peux pas courir. Oh,
Ok. Cours. Arrête-toi. Ah mais à chaque fois. Allez, on reprend. Derrière. Sur la droite maintenant. Cloche. Raté. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il s'est bloqué. Pas sûr que ce soit prévu ça. Magnifique. Attends, on va faire pareil. Hop. Bon. Je pense vraiment pas que ce soit prévu. Cloche. Ah, caméra. Qu'est-ce que tu fais? Tu ressortes, tu fais quoi? Inter. Tape. Et maintenant? Alors là, faut que j'évite. Ça, un. 2, 3, je saute. Ok, c'est bon. En arrière, rodéo. C'est tout? Ah, j'aurais cru qu'il fallait encore le taper une fois. C'est pas fini. Si? Ah, si, ça. Bon, on passe. Il y a un chargement parce que c'est une carte du monde simplifié, donc c'est une autre carte. C'est pas con. C'est pas bon. Bonjour. Grrr, il a encore pris la fuite. Papounet, c'est le meilleur en tout, alors forcément il sait battre quand battre en retraite. La Ichiga cloche est à nouveau tout englué de cette matière noirâtre. Il va falloir d'autres astrophées là. On pourrait peut-être en trouver quelques-uns cachés sur les îles qu'on a déjà visitées. C'est ce que je cherche. Maintenant il en faut 20. Je suis à 15. On revient sur la map. Fureur. 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 Donc là, si je comprends bien, je suis obligé d'attendre que Bowser revienne pour péter les blocs de Fureur. On va se diriger par là juste pour voir où est-ce qu'ils sont, histoire de les repérer. Suspense, suspense. Oh, il y a un bateau, oui. Mais c'est là où on a commencé en fait, c'est nul. Derrière moi. Où sont les blocs de fureur ici? Ça m'étonnerait que ce soit là-bas quand même. Ah bah il est là, il retourne. Attends, la musique change. Ah non, c'est juste. Je comprends pas pourquoi Bowser Jr. aide Mario dans ce jeu. Alors, ZFX 360, c'est l'inverse en fait. C'est l'inverse, c'est Bowser Jr. qui nous a appelé pour dire, voilà, Papounet, grand Bowser, il a pété un câble, il est possédé. Viens Mario nous aider à lui faire retrouver la raison. C'est tout simplement ça, c'est Mario qui aide Bowser Jr. Bon, en vrai c'est Mario qui fait tout le boulot. Mais... c'est un jeu Mario en même temps. Où sont les blocs ici? S'il faut, je me plante et c'est pas ça. Elles servent à quoi ces carapaces? Si elles sont là, c'est pas pour rien quand même. C'est pas la première qu'on croise. Hein. Ah bah tiens! Des blocs de fureur, ils sont là. Alors. Là, il y a une carcasse. Non. Non, non. Bon.
sait qu'ils sont là. Les carapaces, tu peux les prendre et te mettre dedans. C'est ce qui était indiqué, ouais. Mais... Ah mais bonjour, le contrôle. Ah mais l'horreur. Faut aller sur l'eau avec. Ah oui. Ah non. Attendez, faut quand je me mets sur la terre ferme, j'aime pas rester trop dans l'eau. Là, il reste que des blocs de fureur en fait. Donc il va falloir que je n'ai point le choix, que j'aille sur entre guillemets l'autre monde. Hmm. Ben go. En espérant qu'il n'y ait pas de. D'astre sur le chemin. Ah, allez. Oh, c'est pas bleu, c'est beau. Ah, j'ai cassé les arbres. Ah ouais, c'est rien. On fait le tour, on observe. Ah ouais, on va s'amuser. Ah ouais, ça va être très très rigolo ça. Oh là là. J'appréhende. Je peux attendre Bowser au pire. Ouais, je préfère ça. Mario, il nage aussi bien que Tommy. Vertuati dans GTA 3. J'ai pas fait GTA 3. On a tous les boîtes ici. C'est totalement random l'apparition de Bowser ou... Ça c'est gratuit. Que nous dit Evelyne Delia pour la météo là pour l'instant, grand soleil. Hein. On va commencer par faire ce du fond là. Genre par là, c'était là. Bah Bowser, quand tu veux, écoute, je te donne rendez-vous ici. Juste là, là. Allez Bowser, tu peux le faire. Simple, il sait pas nager. D'accord. Je ne savais point. Bon, bah écoute, en attendant Bowser, discutons. C'est beau, il y a l'air d'avoir des montagnes. Hier soir, on a lancé une émission de radio sur Twitch. C'était le micro et la manette. Avec le premier invité Imra, on a papoté usage du jeu vidéo, comment lui voit le vidéo, à quoi il joue, pourquoi, qu'est-ce que ça lui apporte, etc. C'est chouette. Hop là. Je prépare déjà les invitations des prochains invités, en espérant qu'il y ait, elles acceptent. Et la semaine prochaine, si tout va bien, encore une autre émission. Plus généraliste, avec l'équipe, avec peut-être parfois des invités, où on parlera de tout et de rien, sur plein de sujets différents. On va parler cinéma, langue française, cuisine, pourquoi pas. J'espère que ça peut vous plaire. En tout cas, je prends plaisir à préparer ces émissions. Donc, rendez-vous garde du noir. Regarde les pics noirs qui tournent. Bah, ils sont tout noirs. Voilà. Je sais pas quoi faire de plus, hein, en fait, à part l'attendre. Ou aller sur l'autre monde. Mais...
tu vois. Des petites recettes à la Maïté ? Ah oui, les petites recettes à la Maïté, là ! Avec l'ail de Garonne ! Tu prends l'anguille ? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est magnifique. C'est apaisant. Ça manque de couleur. Bon, quand tu veux, réveille-toi, Bowser. Oh, les mouettes, elles arrivent. Regardez. Belle. C'est un jeu d'été. Les Olympiques. Ah! Ça y est, c'est coloré. Et maintenant? La fête va commencer. Ne tapez sur la table qu'avec votre boîte, pas avec votre anguille. En vrai, enfin, c'est random ou il y a une logique, il y a un timer et il vient régulièrement, genre toutes les 5-10 minutes. C'est quoi la logique des apparitions de Bowser ? Ah, ça y est, il pleut. Une tempête venue du nord va frapper les plages méditerranéennes. Votre botte, évidemment, hashtag orthographe, tout à fait. Les 5 minutes, d'accord. Il est là. Ah bah oui, ils deviennent rouges. Vas-y, crash. Ah, fou. C'est bon. Yes. Soleil. Ok, lui c'est bon. Et il s'en va, et voilà, on se retrouve dans un quart d'heure. Genre, je lance la pause. Dès que j'entends Bowser, on revient, on enlève la pause et on continue le jeu. Lol. Oh, trop bien, un drapeau. Donc, entre guillemets, monde terminé. Ça, c'est chouette. Soleil, Sungate. La brosse à dents avec l'alarme pour se brosser les dents, matin, midi et soir. Bien sûr. Sungate. Alors, mettons-nous en sécurité. Bowser, t'es passé où ? Sont les pics. Les voix. Je me mets en sécurité. Genre par là. Où est-ce qu'il est ? J'aurais du Bowser de. Toujours. Aïe, c'est pas prévu. Voilà, là on est pas mal. On ne le voit pas. Mince. Pixel fait. Juste prendre de la hauteur pour mieux observer. Bah il est où? Non, sans déconner, il est où? Va sur Plessis, il y a quelque chose à faire dans l'eau en attendant. Allez, salut Denver.
descendre, sauter. Non, non, trace. On dirait, je sais plus quel chanteur. On trace. Ah non, c'est les enfoirés qui disent ça. Il y a un truc à faire dans l'eau. Se baigner, bien sûr. Que ne faut-il pas faire dans l'eau à part se baigner? Non, pas se baigner. Déforestation. Ah, la course là-bas. C'est ça? Ah, mais il est là-bas. Mais pourquoi je le voyais pas? Si ça c'est là, pourquoi là, quand j'étais là-bas, je le voyais pas? Alors, j'ai vu un truc. C'est quoi? C'est dans quel sens il faut aller? Dans ce sens-là? Non, pas dans ce sens-là. Dans l'autre? Oui, dans ce sens-là. Bisous, dièse. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Allez. Voilà, c'est bon. Chrono nage à toute allure. Sachant que il y a des blocs ici, mais les blocs aussi là, eux je les ai pas encore repérés, les blocs de ici là. Où est-ce qu'ils sont? Ah bah ils sont là. Ils sont juste là, posés là, tranquillou. Ok, bon on sait où ils sont. Ils sont faciles à avoir. Ils seront plus faciles à avoir quand même que ceux-là. Ceux-là, le rayon laser va falloir bien viser quand même. À moins qu'il y ait une hauteur particulière. Que le rayon laser prend toute cette hauteur là. Je ne sais point. Est-ce qu'on peut retourner dans le tuyau chercher des pièces ou est-ce que c'est fini? Ah ouais, non mais c'est la gratuité en fait. Tu vas là-dedans un petit peu quand tu veux, t'as tous les items de l'infini. C'est ok. Devant toi, pas devant toi. Oh mon dieu, ça y est, il est orange. Vite, vite, vite. Chat. Et là, on attend. Là, on attend. Josiane. Allez, gros gros. Ça y est, il pleut. Et maintenant. Est-ce que ça va fonctionner? Je suis pas sûr. Peut-être. Ça a pas fonctionné. Prendre ça, c'est pas grave. Attends, non. Et non, je suis obligé de prendre le chat. Là, ne bouge pas. Normalement c'est bon. Normalement c'est bon.
Ça a pas fonctionné encore. Allez Bowser. Je comprends pas. Voilà, c'est bon. Ok, c'est moi qui visais mal. Ça, c'est fait. Et il perd petit à petit un peu plus de vie quand même. Il y aura un gros combat. Ah, attendez. Est-ce que c'est un rapport avec le nombre d'astres pour après activer la grande cloche, peut-être. Peut-être, ouais. Allez, on retourne de l'autre côté. Il y a un peu... C'est juste Plessis qui m'a fait un peu peur. Oh, bah tiens, tu vas m'aider. Tant qu'à faire. Et voilà, j'arrivais à destination. Et je n'ai plus le visuel sur Bowser. Faire la petite peur qu'on avait besoin tout à l'heure. Ah, on peut pas. Bah si, on peut. Non. Non plus. Voilà. Ça fonctionne pas. Ok. Et là on ne le voit plus du tout. Non, on le voit plus là. Ici là. Ou alors il bouge. C'est une possibilité. Tu vas te faire un café. Bon café, imagine. Non, mauvaise idée. Voilà, je savais que c'était une mauvaise idée. C'est pas grave. Il y a un truc, hein, à part de la lave. Hein. Pop. Pas grand chose, c'est pas le bon moment. Et ces chats là, ils servent à quoi ces chats de couleur? Ils ont bien une utilité. Ah, et l'étoile, elle a pas duré longtemps par contre. Bon, bah on va se balader. Ah, ben. Bowser. Est-ce qu'après il peut viser correctement là-bas? Je sais pas si peut-être à travers le tunnel. Bon. Voilà donc. Attends. On peut enlever tous les arbres. Oh, Pochette, reviens, j'en ai besoin. Reviens. Ah. T'auras qu'à faire une pause une fois que t'auras détruit les blocs, comme ça fera la séparation entre moi et toi. C'est juste qu'il est sous l'eau, tu peux pas voir les bulles sortir. Tu peux voir les bulles sortir. Ok, d'accord. Bon à savoir. Merci pour les tips. En attendant, il y a des forêts. C'est un peu contradictoire en plus parce que je suis contre ça, l'URL. Et là, j'enlève tous les arbres de Mario. Mais ils sont particuliers, ce sont des arbres chars. Ouais. Ah, il en reste un. Ouf. Ah, raté. Ben, il est sorti de l'eau maintenant. On peut peut-être reprendre toi et se rapprocher de là où on était.
Il y a un truc. Non, c'est une... Pourquoi pas? Ah, attendant, vous pouvez apercevoir une belle natation synchronisée, chorégraphie magistrale du petit dinosaure, dauphin, poisson, ce que vous voulez, Plessis, alias Denver. Allez, ah, il a grossi un petit peu. La coquille Bowser a grossi. Vous pouvez apercevoir dans son état naturel le Bowser sauvage possédé. Au bout de 3 minutes, il sort de sa pollution maritime pour se mettre en l'air. Au bout de 2 minutes, il commence à tourner un petit peu plus rapidement sur lui-même avec les pics brûlants. On va se rapprocher de là où on a besoin d'aller. C'est là. Et... Et Bowser, tu peux le faire, tu peux éclore, tu peux renaître de tes cendres, tel le phénix. Enfin, Bowser, un phénix, c'est une différence. Ça y est, il pleut. Attention. Je comprends pas trop le rapport entre la pluie et Bowser. Non. Pas très logique. Ok, ça nous prévient, en mode c'est le jeu, c'est magique, mais. Mais Bowser, il fait pas de la pluie, il fait de la lave. Ah, oh mon dieu, il s'énerve encore plus. Allez, vite, on descend de là. On se met ici et on attend. Il est où? Voilà. J'ai perdu le plat, mais c'est pas grave. Ouf! Ok. Il s'en va. Vers d'autres flots. Cécile, des flots, bien sûr. Humour, blague, drôle, rigolade. Alors, il y avait un bloc chat par là. Une fleur. Il va falloir que je refasse le plein de bloc chat. Est-ce que... Ah non, j'ai 19 astres. Il m'en aurait fallu 20 pour revenir à la giga cloche. Ok. Alors, Plessis, petit dauphin. Où es-tu? T'es là. Viens là, on va se préparer. C'est parti. Raté, on repart. C'est parti maintenant. Non, oui. Encore raté. Et bonjour, le nouveau niveau. On va se mettre quelque part en sécurité. Je sais pas. Bah, en fait, là, on a atterri ici. Voilà. On a terminé. Qui semble être le premier monde. On va faire une pause histoire de couper, comme ça ça coupera une, la VOD aussi, puis on fait le monde 2 juste en suivant, le temps de faire un café, de boire de l'eau, d'aller faire pipi, se laver les mains, etc, etc. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas réactivé les points de chaîne depuis hier soir. Je m'en occupe. Prenez soin de vous YouTube, cordialement, bisous. Twitch, on revient dans 10-15 minutes. Ne bougez pas.